tout le monde. Alors, Mars, domination et libération expanded. Le jour où nous avons perdu le soldat Gio, alors D-J-I-O, commence fort. Bon, c'est tout le vécu de André. Hein. J'avais dit que j'allais revenir sur Mars, hein, donc tout le vécu de André sur Mars. C'est ce livre est magnifique. Hein. Les deux tomes derrière, vous voyez que j'achète directement sur eux, c'est comme vous. De toute façon, vous demandez simplement à André, hein. Il va vous répondre en dessous. De toute façon, il répond souvent en dessous de mes vidéos, donc. Sur Amazon, logiquement, ça doit être encore là, si je me trompe pas. Faut oublier qu'il a été censuré, hein, beaucoup de plusieurs fois au début. Au début, ça cartonnait, et après, ça marchait plus. Hein, donc, se poser quand même les bonnes questions, hein, ce qui s'est passé. Ça veut tout dire. Hein. À partir du moment où on te censure, c'est que bon. Mars, domination et libération, expanded, lone wolf, c'est-à-dire c'est un complément des deux livres qui sont derrière. J'en montre ouais, à la fin. Hein. Andreas, et c'est du très lourd. Ok. Alors, j'ai quand même... Là, il y a tout ça... Hein. J'aime bien ces débuts là. Ouais, ça je l'en mettrai aussi. J'aime bien le remettre, bon, c'est un petit peu. Bon. Mais j'aime bien toujours mettre ça fait toujours plaisir. Ça, c'est moi. Et ça, ça fait un grand plaisir. Voilà. Et je suis content quand j'ai des petits mots comme ça. Moi, ça me réconforte parce que ça me réconforte dans le sens que ça me donne envie de faire toujours plus de vidéos, toujours de, voilà, de continuer. Et puis voilà. Et ça, bah, ce soir, je m'arrêterai pas. Ça, c'est sûr. Au point où je suis, le train il est déjà parti depuis belle lurette. Hein. Et puis pour l'arrêter, de le charbon. Par des anciens trains, là, c'est ceux-là, c'est très lourd. Hein. À Mars, aux Martiens, aux frères et sœurs d'armes tombés, pour Mars, je demande pardon, Andreas. À celles et ceux qui subissent dans l'ombre et le silence la manipulation aussi bien mentale que temporelle de leur vie par un pouvoir aux intentions obscures. Oui, bah, je sais ce que c'est. Plusieurs problèmes aussi, moi, en 2019, licencié, j'ai retrouvé mon boulot, enfin bref, parce que j'avais critiqué le gouvernement, donc c'est pas... Donc, tout est logique, hein. Enfin, et moi encore maintenant j'ai du mal à retrouver le boulot que j'avais avant, alors que c'est pour ça que j'ai demandé, mais bon, c'est déjà mieux qu'avant, c'est sûr. Et à tous les loups solitaires qui, un jour prochain, formeront une meute libératrice. Voilà. J'ai bien vu les loups, là. Bon, alors, là c'est le jour où nous avons perdu le soldat Gio. C'est triste, assez triste, hein, mais bon, de toute façon, je voulais la faire. Et il y a encore 4 vidéos après celle-là. De ce tome-là, que j'ai toujours pas relancé, ça fait un petit peu moins qu'elles sont déjà là. Je ferai peut-être encore des nouvelles. Ce livre-là, il... Et puis il y a 430 clichés. Hein. Des trucs de dingue. Il est fascinant. Fascinant. Et j'ai rien à dire. Alors, Lone Wolf, l'emprise du loup, et Mars, domination et libération, opération Lone Wolf, rassemblés en un seul ouvrage. C'est-à-dire les deux qui sont derrière, ici. Hein. Une version qui s'enrichit de réminiscences de l'auteur, donnant lieu à de nouveaux chapitres et plus de clichés, forcément, avec cette version augmentée d'un grand nombre de clichés martiens convergents, avec son enroulement hors de sa ligne temporelle sur Mars, Andreas enfonce le clou. Plus de 430 clichés martiens ressortis améliorés par Andreas vous révèle Mars au-delà de votre imagination. Base militaire, milieu de vie, peuplement, écosystème, exécution de masse, espèces invasives, etc. Nous découvrirons l'ethnie insectoïde, les vestiges d'une lutte armée contre cette dernière. Nous irons sur les traces des reptoïdes et constaterons les stigmates de leur guerre finale contre les dracos. Appuyé par un grand nombre de clichés martiens, cet ouvrage valide le vécu de Starseal, tel que Jean-Charles Moyen, David Rousseau, Randy Kramer, Patricia Brett, hein, je connais aussi de toute façon, bah, même David, je connais pas, mais bon, grâce à des vidéos, je connais plus Patricia et André, c'est sûr, et bien d'autres, mais aussi donne raison, j'ai partagé aussi des vidéos de Elena Danahan, mais aussi donne raison aux révélations de contacter comme Elena Danahan ou encore les explorations de Medium. J'ai vu une émission il y a pas longtemps, bah, c'était quoi, mardi, là, ouais. Sur Mars, c'était Alien Theory, franchement ils sont loin, hein, loin du résultat. Hein. Là, déjà le titre c'est le fantasme de Mars. Côté, je suis désolé. Quand t'as des livres comme ça va 10 fois plus loin. Hein. Pourtant Alien Theory j'adore, mais alors là sur Mars ils sont quand même à côté de la plaque. Hein. Ils sont bien à côté de la plaque. Et j'ai l'impression que ça dérange beaucoup. C'est ça aussi. Voilà. Je suis désolé, mais là non, c'est pas ça. C'est un petit peu à côté de la plaque. Ça va pas du tout. Et pourtant c'est Alien Theory. Hein. 305. Bah oui, mais ça. Bon, ça que je préfère les livres, voilà, tout ce qui est dedans, les vidéos d'André, c'est bien plus intéressant par rapport à Alien Theory sur ce sujet que Mars. Parce qu'Alien Theory, il y a de tout. Hein. Attention. Hein.
n'y a pas que ça. Hein. Il y a... C'est très très nombreux dans l'ufologie, il y a beaucoup de choses. Alors le jour où nous avons perdu le soldat Gio, autant commencer tout de suite. Nous sommes dans la région des mines, dans notre base, elle est petite et minable. Mais on y a passé des moments mémorables, comme cette fois où nous étions tous les six assis autour de la table lors d'un repas. J'ai du mal à me souvenir de tout le monde, mais il y a un grand costaud à ma droite, ce doit être Brandon. À l'autre bout de la table se tient un camarade de taille moyenne, les cheveux bruns clairs, un peu bouclés et une fine moustache. C'est Gio. On mange, on boit et on dit surtout beaucoup de bêtises. On rigole bien. À un moment de la discussion m'amène à parler de physique quantique et lorsque je prends l'exemple du chat de Schrödinger, du physicien Erwin Schrödinger, je parle du chat qui est enfermé dans une boîte avec un flocon de gaz mortel et que si nous ouvrons la boîte, le chat est soit mort, soit vivant. Gio se met à délirer sur le chat de ma grand-mère, le chat poté, celui de la mère Michel, de la voisine, etc. Tout y passe, tout le monde s'y met et ça part en gros délire. C'est la valse des vannes et impossible de continuer sérieusement et aller au bout de mon explication. J'ai revécu ce moment de camaraderie de manière intense et je suis revenu avec nostalgie. Ce jour-là, on aurait mieux fait de rester dans notre trou montagneux. Ben oui, malheureusement. À s'ennuyer et boire de la suze. Suze, ça c'est rigolo. Mais pourtant, moi je bois pas, mais quand je vois ça, bon, excusez, mais bon, ça me fait rire. Mais au lieu de ça, nous devons repartir pour terminer la mise en route de la base souterraine jouxtant le campement de la MDF. Une fois sur place, j'envoie mes hommes sécuriser les alentours de l'entrée au souterrain. Jared, tu prends l'ouest du côté du camp MDF. Jason, tu te charges de la partie sud. Gio, celle à l'est. Et Miloud, tu te postes devant l'écoutille d'accès. Si vous acceptez. Apercevez n'importe quoi qui a plus de deux bras et deux jambes, vous me le dégommez. Brandon avec moi, on va finir d'activer cette foutue base. Une fois mes ordres donnés, les hommes se mettent en poste et le sergent Brandon et moi pénétrons dans la base souterraine. Nous n'avons pas atteint le centre névralgique que des cris se font entendre à travers la radio de nos casques. C'est Dio, me dit Brandon. Oui, j'ai reconnu sa voix. Il y a un problème. Nous revenons sur nos pas. En quatrième vitesse. En même temps, j'ordonne aux autres de ne pas quitter leur poste. Une fois arrivé à la partie sud, pas de Gio. On entreprend une recherche de terrain qui confirme mes craintes. On découvre un lieu couvert de débris d'armure tachée de sang. Brandon me signale la présence de monticules érigés par les insectoïdes. En voyant que les plus proches sont éventrés, je comprends que Gio n'a pas suivi les consignes de sécurité pour une raison qui m'échappe. Il a traversé la frontière pour tomber dans une embuscade. J'informe le commandement MDF de la situation, mais j'apprends qu'ils sont déjà au courant. L'écran attribué aux systèmes vitaux du sergent Gio a donné son verdict. Le soldat Gio est décédé. On a bien essayé de le retrouver, mais mis à part des morceaux de carcasse d'armure et de résidus de chair, nous ne retrouverons jamais son corps. Gio était plus qu'un soldat, il était des nôtres, un camarade de guerre. On aurait dû être affecté par sa disparition, surtout dans des conditions aussi terribles. Oui, malheureusement. Alors après, j'arrive aux images, hein. Convergence par l'image. Bon. Mais nous n'avions pas d'état d'âme, même pas la compassion d'un loup solitaire. Des monticules, mais pas d'insectoïdes à l'horizon. Nous retournons à la base souterraine. Nous avons une mission à accomplir. Alors, attention, on va bientôt arriver à la convergence. Une fois la base activée, notre taxi d'aéronef vient nous récupérer. Nous avions débarqué à 6. Nous sommes 5 à rembarquer, malheureusement. Traditionnellement, l'aéronef nous ramène au bercail. Notre antre au fond d'une grotte au pied d'une colline perdue au milieu d'un désert martien. Mais cette fois, il n'en prend pas la direction. Il nous ramène à la base MDF, hein, Mars Defense Force, où je ne pensais plus mettre les pieds. Cette fois, on ne nous laisse pas le temps de retirer l'armure. Il s'agit d'un briefing d'urgence à l'intérieur même du hangar. Notre attention se porte sur l'officier supérieur se tenant sur la passerelle jouxtant nos anciens quartiers. C'est le chef de la base MDF, le colonel Rovelletti. Rovelletti. Je ne l'ai encore jamais rencontré. L'homme est d'une grande stature. Mais je suis trop éloigné pour voir distinctement son visage. Il attend que nous soyons complets, bien qu'il soit vaste. Le hangar se trouve submergé de soldats. Puis le colonel nous annonce. Nous sommes en état d'urgence. Les bases souterraines sont attaquées par des armées d'insectoïdes. Mars et leur monde, ils sont des millions et nous sommes en sous-effectif.
Aussi, les détachements auxiliaires à la MDF sont réquisitionnés comme soutien de la force de Mars. Notre mission a changé, la guerre contre les insectoïdes martiens est déclarée. Alors, là, on va passer directement au truc, hein. Convergence par l'image, et puis c'est. En plus, c'est quand même du très lourd, hein. Il y a des images. Alors, convergence par l'image, sol 1534. L'entrée d'une base souterraine avec écoutille. Une fois sur place, j'envoie mes hommes sécuriser les alentours de l'entrée au souterrain. Jared, tu prends l'ouest du camp du côté du camp MDF. Jason, tu te charges de la partie sud. Et Gio, celle à l'est. Et Miloud, malheureusement, tu te postes devant l'écoutille d'accès. L'écoutille, comme ça. Quand c'était une plaque d'égout, mais c'est pas tout à fait. Bon, enfin, bon, faut imaginer le truc, voilà. Ça commence. Ah oui, moi c'est direct. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Et après, lui, il retranscrit l'image. Là. Ça commence fort. C'est vrai que la forme, elle n'est pas du tout naturelle. En plus, c'est sur Mars. Hein. Vu comment on tient, en plus la position. Alors là, c'est la première image. Soit pour l'instant, c'est rien. Hein. C'est vraiment un petit truc. Hein. C'est pas fini. Parce qu'après, vous allez voir des personnages et tout. C'est hallucinant. Enfin, quand je dis hallucinant, c'est hallucinant. Hein. Sol 3049. Avec un soldat en patrouille. Avec ce panoramique, il est nécessaire de prendre du recul, car une vue plus large révèle que ce soldat est en mission de sécurisation de terrain. En effet, la posture du soldat sur la gauche dans l'encadrement noir montre qu'il avance avec discrétion et prudence en direction d'une créature de type insectoïde, à droite encadrement blanc. La créature insectoïde semble avoir flairé le danger et fuit en grimpant la façade de la colline, puis 105 sols plus tard. Soit sol 3154, plus de soldats et plus d'insectoïdes. Ils ont disparu, ce qui certifie que cette action a bien eu lieu, pas en 1990, mais plus récemment, début 2021. Oui, parce que ça a disparu, c'était pas la même image. Sol 3049, datant du début mars 2021, et soit 3000, et sol 3154, de fin juin de la même année, soit 105 sols plus tard, reconcentrons-nous sur la série du sol 3049 dans le même secteur du soldat en patrouille. Un peu après, l'insectoïde dans le même prolongement se trouve un autre soldat qui garde l'entrée d'une base. Alors, déjà, je vais vous montrer, et après, ça va avoir les soldats, franchement. Bah, on le voit quand même, je veux dire, il faut rater. Quand même. Là, c'est la position du soldat, soldat en patrouille, regarde. Normalement, on lui a retransmis une image là, c'est pas celle-là, mais c'est celle-là. Voilà. Là, c'est la vraie. Hein. Bon, excusez-moi si c'est un peu flou, non, je pense que c'est bon. Hein. Voilà, ici. Et mon petit doigt là. Insectoïde, et on le voit bien en plus quand même, la gueule, hein, je dis rien. Pas au milieu, mais sur la droite à gauche. Hein. Ici, ici, et ici, au milieu, c'est bon. Voilà, à quoi que ça pourrait ressembler. Puis, vu la forme, de toute façon, ça n'a rien de normal. Hein. Je suis désolé, mais bon. Faut pas oublier qu'il y a des mygales, tout ça, est énorme, hein, qui font 2 mètres. Bah oui, parce que bon. Oui, bon, je sais pas comment ça peut être. Moi qui ai une phobie de ça en plus. Voilà, et après, disparition, comme par hasard. Ils ont disparu, ce qui certifie. Ok. Allez, la suite. Oui, je vais montrer après. Toujours un agrandissement. Extrême, ajout de pixels et amélioration de contraste. Un travail nécessaire afin de faire ressortir des éléments probants. Tel ce soldat assis en surveillance d'une écoutille de porte d'accès à une base souterraine, écoutille de porte dont on reconnaît un mécanisme. Hein, comme ça, on imagine le truc. On ouvre. Hein. Une fois mes ordres donnés, les hommes se mettent en poste et le sergent Brandon et moi pénétrons la base souterraine. Cette révision de l'ouvrage ayant eu lieu en 2023. En remontant, 2023, en remontant au début de l'exploration de la planète rouge par Curiosity en sol 66. Soit 11 ans auparavant, le rover nous montrait déjà une occupation militaire
de mars, c'est-à-dire aux Empires avant, c'était 2012. Hein. Ouais. L'agrandissement de la section encadrée révèle un soldat passant par l'écoutille d'une base souterraine. Là, je vous montrais avant, Sol 3049. L'autre qui est assis, ouais. Et après, je vous montre ici. Et après, c'est pour finir. Hein. Parce qu'après, c'est encore pire. Hein. Les soldats, je crois qu'il y a une, surtout une image qui est tellement incroyable. Bon, ici, là, celui qui tient là, voilà. Et là, celui qui est assis, là. Ok. Alors accrochez aux ceintures parce qu'après c'est pas le même truc, hein, c'est encore au-dessus. Ah, c'est pas fini parce que là je s'arrête. Oh putain, t'as l'impression de voir un gosse. Je sais pas, c'est soldat. Soldat, mais il y a une tête d'enfant, c'est marrant, c'est bizarre. Ou un jeune, hein, il doit être jeune. De la même manière que ce soldat en sol 1994, enfin il paraît jeune, 1994, le sol, hein, qui entre en ou ressort d'une base souterraine par l'écoutille principale. Et là, par contre, là. Alors, quand tu sais qu'une fois, quand tu regardes une photo sur le paranormal, bon, ça n'a rien à voir. Hein. Tu as des doutes, tu te dis, ouais, il y a quand même quelque chose. Mais là, c'est sur Mars, et puis c'est pas, ça n'a rien à voir. Là, c'est clair et net. Encore plus. Bon, quand même. Comme pour la majorité, là, c'est puissance 10. Là, on parle d'autre chose qui est complètement. C'est au-dessus de tout pour moi, ça. Comme pour la majorité des prises de vue panoramiques effectuées par la caméra ShemCam, pourtant conçue par l'analyse élémentaire des roches et de sol, un travail d'agrandissement et d'amélioration de l'image est nécessaire afin de confirmer ou infirmer ce qu'on croit y reconnaître. Mais là, c'est l'ombre portée d'aspect humanoïde qui valide que l'on est en présence d'un soldat. Bien que le cliché soit de mauvaise qualité, ouais, mais l'image d'avant. Il laisse bien apparaître la silhouette d'un soldat en train de pénétrer dans une base souterraine ou d'en ressortir. Moi, c'est l'image d'avant, clairement. Et encore, il y a encore une note après, hein, qui est hallucinante. Voilà. Ouais, bah oui. Alors, faut pas regarder celle-là. Hein. Bon, après, si, retransmet ce que ça donnerait. Voilà, regardez. Si t'enlèves le décor et ça, si tu détaches le personnage, regardez. On dirait même une tête d'enfant, hein, limite. Je ne sais pas, c'est assez curieux. C'est un jeune soldat, là. Hein. Ok. Bon, même là, si la qualité elle est moins belle, mais quand même, et celle d'à côté, c'est hallucinant. Fait un petit peu penser au. Enfin, moi, je connais pas trop. Bah, moi, je suis plus PlayStation 5, ça. Vous savez, les personnages dans Halo, là. Ouais, dans Halo. Je pense qu'il m'avait parlé aussi de ça. Même dans les jeux, ils remettent des trucs comme ça. N'allez pas me dire qu'ils savent rien, ou dans les films Starship Troopers, Total Recall. Il y a toujours un lien de toute façon, donc assez curieux, même des œufs de type alien, bref, narène. Bon, moi, il faudra peut-être nous prendre pour des. Hein. Voilà, c'est vrai que vous pensez à Halo, je crois que c'est ça, hein. Xbox, je sais plus. Voilà, et ici, non, là, moi, cette image-là, elle est franchement, c'est hallucinant. Là, ça me percute, là. Là, je sais pas rien, mais là, c'est plus fort que. Voilà, et encore, on n'a pas fini. Attendez après. Attendez après parce que c'est pas fini, c'est pas mieux. Nous n'avons pas atteint le centre névralgique. Quelques cris se font entendre à travers la radio de nos casques. Nous revenons sur nos pas en quatrième vitesse. La capture suivante révèle un soldat arme au poing sortant d'une base souterraine qui semble partir en patrouille en sol 1402. Une fois arrivé à la partie sud, on entreprend une recherche de terrain qui confirme mes craintes. On découvre un lieu couvert de débris d'armure tachés de sang. Ouais, malheureusement, Gio, le soldat Gio. Des débris d'équipement de soldats, c'est exactement ce qu'on retrouve avec ce sol de 1719. Sur le cliché de piètre qualité également, on voit bien le sol jonché de débris parmi lesquels on reconnaît les vestiges en petit 1, fusil d'assaut petit 2, un casque déformé à côté d'une coque dorsale avec une antenne radio qui dépasse. Vous ne trouvez pas ces restes de matériel militaire assez convaincants?
C'est pas fini. Oui, parce qu'après, il y a une créature qui sort d'un monticule. Et en plus, d'un petit chien à un autre, on voit clairement qu'elle était là avant, et après, elle est plus là. On va pas me dire que, bon, à un moment, faut arrêter. Et oui, une sorte de, je sais plus quoi, une chenille géante, je sais plus quoi, un truc bizarre, je vous le montrerai après. Mais déjà, je vous montre la photo, là, c'est quand même perturbant, là, c'est perturbant, franchement. 1402, à côté aussi, mais ouais, les armes, ouais, là aussi. Mais le pire, c'est la photo, là. Il y a quand même un problème, là, non? Si t'enlèves celui-là, d'accord? On a l'impression même que c'est un assez de tweed. Mais c'est le casque avec la visière. Là, c'est perturbant quand même. Déjà là, si tu enlèves en dessous, il y a déjà quelque chose qui va pas. Ici, voilà, on le voit bien. En enlevant ça, imagine, faut imaginer. D'ailleurs. Là, les armes, etc. Casque déformé. Ouais, quand même, pas mal aussi, mais à côté c'est pire. Là c'est costaud quand même. Alors c'est pas fini parce que après, attendez. Et si je rajoute un gant pour illustrer la perte d'un soldat? Gant. Bien, nous verrons d'autres vestiges de guerre plus parlants dans le chapitre suivant. Brandon me signale la présence de monticules érigés par les insectoïdes. Oui, en plus, là. Les insectoïdes construisent des nids reliés entre eux dans les sous-sols de Mars. C'est pour ça qu'on a déjà vu des photos bizarres où tu as l'impression que c'est des tunnels sur Mars. Alors, je sais plus si c'est sur Alien Theory ou peut-être sur Internet, je sais plus, YouTube. Vous savez, ça fait comme des trucs comme ça, ça fait des traces comme ça. C'est monté comme ça, comme des bordures, des tunnels. On a déjà vu ça sur Mars, hein. Ah ben ça vient d'eux là, c'est les insectoïdes qui, voilà, qui construisent. Voilà. Les insectoïdes construisent des nids reliés entre eux, enfin j'ai l'impression, après c'est peut-être pas dans le même genre, mais bon, entre eux dans les sous-sols de Mars, une information qui se vérifie une fois de plus en comparant deux clichés du même secteur pris à différentes dates. Là par contre, il y a un problème. Un insectoïde sort d'un monticule en sol 1819 alors qu'il est absent en sol 1856. Les clichés parlent d'eux-mêmes. On voit une tête. Plusieurs clichés plus tard, on voit plus la tête. Donc, avant, je vous montre le gant. Et après, voilà. Ça, c'est. Et c'est pas encore fait. Si, c'est fini, je crois. Ouais, pas ça. Ah, il y a encore une image après. Ouais, ça aussi. Et franchement, les dernières, c'est les plus belles. Voilà. Ici, le gant. Alors, si tu enlèves celle-là. Hein. Ouais, là, quand même. Hein. Il y a quand même quelque chose qui va pas, là. Excusez-moi pour le flou. Regardez bien les clichés. Insectoïde, comme une chenille. Voilà, insectoïde sort d'une monticule. D'un monticule en sol 1819, alors qu'il est absent en sol 1856. C'est pas. Hein, quand même. Hein, bon. Les clichés par d'eux-mêmes, il y a tout à fait raison. Il y a même plus que raison. Hein, on va me prendre pour un con, hein, comme on dirait. Hein. Il y a quand même quelque chose qui va pas là, d'accord? On voit clairement sa tête et après on voit plus. Hein. Il a disparu comme par hasard. Hein. Plusieurs clichés plus tard. Hein. Donc, bon. Assez curieux. 37 clichés plus tard. 1819 à 1856, ça doit être 37 clichés. Ouais, je crois, si je ne me trompe pas. 30, ouais, un truc comme ça. Les clichés parlent d'eux-mêmes. Hallucinant. Là, c'est hallucinant. Franchement, là, je remettrai bien les photos. Moi, j'adore. Après, ça perturbe, c'est sûr. Et bon, en sol 1888, on peut voir aussi un insectoïde sortir d'un monticule. Encore une fois. Oui. Oh, putain, c'est là. En plus, c'est pas non plus. Le colonel nous annonce, nous sommes en état d'urgence. Les bases souterraines sont attaquées par des armées d'insectoïdes. Mars est leur monde. Ils sont de millions et nous sommes en sous-effectif. Aussi, des détachements auxiliaires à la MDF sont réquisitionnés comme soutien de la force de Mars. Notre mission a changé. La guerre contre les insectoïdes martiens est déclarée. J'ai encore 4 vidéos à balancer. Je vous montrerai la dernière image. Et après, je sais pas, je verrai plus tard. Voilà. J'ai toujours pas avancé, je verrai ça plus tard.
Bah, ça, vous allez sur le site André, vous trouvez André, andreas.arras sur YouTube, il est sur Facebook, il est sur Amazon pour ses livres. Bon, voilà. Voilà. Voilà la créature. Hein. Ah, ici, quand même, parce que je suis qui vaut pas. Là. C'est surtout ici, là, les deux, même entrées. Ouais, il y a quand même des trucs qui me perturbent, c'est l'image. Celle-là. Évidemment, les insectoïdes qui sortent, là, le gant, pas mal non plus. Ouais, celle-là aussi. Et moi, c'est celle-là, comme ça. Les... celle-là, quand même... c'est vrai que j'avais complètement zappé. Elle est prenante, celle-là, quand même. Parce que même le contraste et tout, c'est dingue, quand même. Bon, ça ferait photo, comme par hasard, c'est fou. Bon. Voilà. Là, il y a... on peut me voir, même, à la limite, les visages. Hein. Les yeux, le nez, la bouche, d'accord? Quand même, en plus, hein. Et ça va même très loin. On voit même sa sorte de casque ici, là. Vous voyez, là, il y a une sorte de micro pour parler, je sais pas quoi, un truc, hein, voilà. On a l'impression que ce soit pas un micro. Non, là, c'était bon, allez, je coupe là. Hallucinant. Hallucinant, j'en mettrai les deux liens des livres derrière. Lone Wolf. Je mettrai que ça, hein. Je vais pas commencer à rajouter les d'un, ça va faire beaucoup. Déjà les images là, c'est déjà pas mal. Plus celui-là. Ah, je vais pas les remettre, ça se coupe la vidéo, ça sert à rien. Voilà. Complément des deux là. Ok. Là, il y a déjà 300 clichés, je crois, dans celui-là. Si je me trompe pas. Bon, 300 clichés, ouais. Mais celui-là, il va encore plus loin. Il relie les deux livres. Et là, il y a 430 clichés, c'est-à-dire bon, encore mieux que. Voilà. Déjà, ça se voit. Hein. Par rapport au premier aussi. Le premier, je ne sais plus quoi de clichés, il y en a pas mal non plus, bon, beaucoup moins. Là, il y en a 300, et puis il y a 430. Et encore, il retrouve toujours des trucs, hein, il n'y a jamais fini. Hein. Là, en ce moment, il était sur Vénus. Avec tous les livres qu'il a, hein, Prédateur Cosmique, tout ça. Ouais, peut-être que je rajouterai ça. Prédateur Cosmique, là, toutes les planètes, c'est un truc de dingue. Et ouais, c'est partout, quoi. Pluton, soit des structures, c'est partout. Bon, bref. Bon, allez, je coupe là. Alors, tout ce que vous avez eu, Alien Theory, Mars, c'est très faible. Hein. Pour moi, c'est. Je l'ai regardé encore un peu autant, je m'en souviens plus que c'était aussi beau. Enfin, bas, dans le sens qu'il n'y a pas grand-chose, il ne montre pas grand-chose. Pyramide, toujours le même, le visage, il n'y a pas que ça. Hein. Sidonia, hein. Il n'y a pas du tout que ça. Vous avez vu tout ce que j'ai montré, hein, pour pas grand-chose en plus. Et encore, c'est un tout petit truc que j'ai montré. Hein. Donc, bon, voilà. J'ai vite zappé, changé de chaîne, ça me gonflait. Mais pas dans le sens, non, ça me gonfle parce que bon, il y en a qui se cassent la tête comme André à faire des trucs et puis bon. Alors c'est quand même une série Alien Theory. Quoi. Bon, après, j'ai revenu dessus, parler des crânes de cristal, bon, je sais plus. Bon, c'est toujours le même qui en faut voir, c'est ça qui est un petit peu, bon, un petit peu bête. Voilà, magnifique. Allez, je coupe là. Alors, des trois livres en même temps, vous imaginez, ça fait quand même un gros. Cadeau, hein. Waouh, super. Puis là, c'est encore plus grand. Puis il écrit encore plus gros. Et il me semble qu'il m'avait offert celui-là, le dernier. Si je ne me trompe pas, celui-là, je sais plus. Il y en a peut-être un que j'ai acheté des deux. Et le dernier est encore plus gros. Il a été offert ou j'ai payé, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, je le remercie. Voilà, je vais mettre ces trois-là plus. Ça tombe bien, ça, parce que là on parle de Mars, etc. Tout ça, c'est André, d'accord? C'est partout. Hein. J'en mettrai ce lien-là aussi. Allez, je coupe, merci, à bientôt. Je sais pas ce que je vais rajouter avec cette vidéo-là. Peut-être Mars, une vidéo de André, je sais rien. Je sais pas du tout. À plus, merci, à bientôt.